So we decided to go with something that reminded, you know, fire, because we're gonna have a lot on set, and it's gonna be centered around my eyes, my tiny eyes, and the goal will be to have some orange and blue, blue reminders, basically, of what a flame would look like coming from my eyes. Ah, comme ça, vous filmez les vestiaires aussi. Il est pas bon, pas là. Tranquille, bien. C'est pas moi. C'est rien, c'est. Je peux caler la lampe torche. Et là, je suis Iron Man. Il y a une petite bosse quand même. On va y arriver. Hop, ça marche pas, c'est Iron Man. First time Marius and I talked about the music video for this single, we really thought that we wanted something explosive, and well, the title being Cage of Fire, fire was of course one of our first and main ideas. On se sent comment, Léna? Eh ben, écoute, j'ai toujours froid. Deuxième couplet, faudra le refaire parce que j'étais mal accordé. La nuit. C'est trop beau. Aïwa! Pousse! Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ah, t'es là, t'as objectif. Il faut l'accueillir comme il se doit. Tu veux arrêter, arrêter. Vous voulez un thé? On a super, on a gingembre, on a camomille, guacamole. Non, non. Arrête.
toi qui as le reste. Laisse-la tranquille. Laisse-la on a du thé au gorgonzola, non. Si vous voulez. Calmez-vous. On va vous mettre en prison. Ah, c'est compliqué ce que vous proposez. Comment ça va? Oh, j'ai mal au cervical. Bon alors Lina, ce clip, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Ce qu'on en pense, bah... je trouve les gars un peu feignants, un peu disputés... pas grand-chose. Après, on fait voilà, pas grand-chose. Je sais pas... Ouais. Peut mieux faire. Il y a du feu, ça fait peur. En vacances à la boule, il y a 2-3 ans. Oh là là. Je rentre dans un magasin qui fait des maillots à peu près comme ça. Ouais. Je demande un maillot vert, pomme, sauce tomate, tu vois. Et là, okay. Il n'y a plus de maillot. Il est comme ça. Encore moins comme ça. Est-ce qu'il y a du ketchup? Non, mais heureusement, je retourne. Ce type-là qui a un Décathlon qui est encore ouvert. Il est 28, ça ferme à 30, 19h. Et là, je sais pas ce qui se passe, je me dis, j'ai envie d'acheter une table de ping-pong. Je change de plan, Et là, mec, il restait que des tables de ping-pong vertes. Oui, mais elles étaient en promo. Le maillot vert. Oui. Oh. Je prends une photo de la table de ping-pong vert, je me dis, j'ai pas besoin de l'acheter. Ouais. Je prends, hop, je vais dans une imprimerie, je dois attendre le lendemain matin. Ouais. Je sors le truc en vert. T'as dormi là, je retourne au magasin, je prends un maillot de couleur qu'importe. Et là, je prends la feuille que j'ai imprimée en vert de la table de ping-pong. Je la colle autour. Ah oui. J'avais un peu de colle dans le coffre de ma voiture parce que je fais un peu de pétanque. Et des fois, le fil en fait de la bite, c'est bon truc, ça se décolle. Et donc du coup, je prends, je colle, j'ai un super maillot. Je fonce à la plage direct. Je retrouve mes amis. T'es pépouze. Je suis pépouze, mais je suis trop con, j'avais pas pensé en fait. Dès que je suis allé dans l'eau, ça s'est décollé. Tout le monde a vu que mon maillot, en fait, il était rouge. Et on s'est foutu de ma gueule. On pratique la machine. Ok. C'est bon? Tu me mets où? C'est bon. Après de l'aide. Faut y aller, ça va partir après.